Même si nous sommes heureux d'avoir retrouvé le courant ici à New York, n'oublions pas nos braves soldats qui nous défendent en ce 4 juillet. Nous voici en mer Jaune, où la fête bat son plein à bord de l'USS Clarence E. Walsh. Nous sommes en direct avec le marin Anthony Palmiera du quartier de Brooklyn. Bonjour, marin Palmiera. Parlez-nous un peu des festivités prévues. Eh bien, le capitaine organise un barbecue sur le pont, et ce soir, c'est feu d'artifice. Des oiseaux ! Capitaine, tous nos systèmes ont grillé, plus rien ne répond. Marin Palmiera, que se passe-t-il au juste derrière vous ? Restez là, Sam. Je vous rappelle. Ce sont les Coréens, Monsieur le Président. Je recommande de les attaquer immédiatement. Si c'était la Corée, la zone démilitarisée aurait déjà été envahie par 200 000 hommes, au moins. C'était peut-être un accident, ou bien un exercice, une erreur humaine. C'est impossible. Les Coréens ne peuvent pas détecter le Walsh. Et encore moins le suivre au radar et le couler avec un missile chinois vieux de 30 ans. J'ai des raisons de croire que le navire a été victime de la guerre de l'information. Impossible, car ces systèmes sont... Inattaquables. Sauf que ces systèmes, comme vous dites, découlent des travaux révolutionnaires de deux véritables génies de l'informatique. L'un d'eux vient d'être retrouvé mort au Pérou, et j'aurai bientôt mis la main sur l'autre. C'est vraiment dingue ce qu'on voit à la télé, hein, Sam? Le monde est fou. Et tu as choisi la bonne branche, pas vrai, Doug? Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche quelqu'un, un certain Milan Nedish. Il bosse pour toi, non? Comme beaucoup de gens, tu sais. C'est tout récent. Mon entreprise compte parmi les plus riches du pays, désormais. Si tu cherches du travail... Ça, non. Vraiment? Continue comme ça, et tu finiras à côté du soldat inconnu. Je ne cherche pas la gloire. Ton pote Nedish est pourri. Je le veux. Contrairement à beaucoup, je défends mes employés. Si tu as des preuves contre l'un d'eux, je t'aiderai à l'arrêter. Mais ne compte pas sur moi pour le condamner sur la seule foi de tes dires. C'est honnête, mais n'interviens pas, sinon... Merci du conseil. Tiens, si tu changes d'avis. Si je ne peux pas donner un os à ronger au chef d'état-major, on sera en guerre dans les 24 heures, Fisher. Ramenez-moi Zerkezi pour qu'on puisse l'interroger. Milan Nedish l'a amené à Hokkaido pour le protéger. J'ignore si Shetland est au courant de ce qui se passe, mais j'aimerais bien le savoir. En tout cas, pas de sentiment s'il est impliqué. Il y a un peu trop de coïncidences à mon goût dans cette histoire. Zerkezi est le seul à avoir pu orchestrer la destruction du Walsh. Même si ce sont les Coréens qui ont lancé le missile... Ils ont eu besoin de son aide pour toucher le navire, c'est presque obligé. Et pour ce qui est de Displace, ça ne va pas te faire plaisir, Fisher. Mais je pense que Shetland est impliqué. L'enlèvement de Morgan Holt, la protection rapprochée de Zerkezi et son déplacement vers Hokkaido, ça sent vraiment mauvais tout ça. On dirait que Displace a loué la totalité du site. C'est très calme. Pas de serveur ni de système de sécurité a priori. Par contre, les gardes seront sans doute très vigilants. Il va falloir t'occuper d'eux au corps à corps. Les bonnes vieilles méthodes, quoi. L'ISDF surveille les activités de tous les employés des sociétés militaires privées sur le sol japonais. Nous avons appris hier que Displace avait loué cette retraite et plusieurs de nos agents ont placé des micros sur le site. Malheureusement, nous n'étions pas préparés au degré de technologie de Displace. Et nos micros sont détectables par le matériel standard. Inutile de dire qu'il vaudrait mieux que les hommes de Displace ne les repèrent pas. N'oubliez pas qu'il nous faut Zerkezi vivant, Fisher. Et Nedish? Nedish, c'est une autre histoire. Isolé, simplifié, éliminé. Nous sommes sur la même longueur d'onde? Affirmatif. Thank you.
Vous pouvez pour scanner la plaque d'immatriculation de ces camions Fisher. Ça pourrait m'aider à dégoter des infos sur Nedich. D'accord, je vais essayer. Non, rien de suspect à leur sujet. Et une minute. Le barbier de Bosnie. J'en ai déjà un. Mais je crois bien qu'il est italien. Je lui demanderai si tu veux. Les documents de location des véhicules font état d'une fausse société créée par un certain Milos Novak, alias Milan Nedic. Novak est soupçonné de crimes de guerre en Bosnie. Il aurait scalpé un de ses prisonniers, d'où son surnom de barbier de Bosnie. Dans ce cas, j'espère qu'on ne l'attend pas à la haie, parce qu'il sera en retard. On dirait bien, oui. J'ai l'impression d'être entouré de perroquets. Et c'est fait exprès. Un plancher spécial pour se protéger contre les ninjas. Les ninjas? Mais ça n'existe pas. Ah ouais. Tu te souviens de la crise géorgienne en 2004? J'étais garde sur une plateforme pétrolière. On a été attaqué par un ninja. T'es ma boule. Je vais te dire, si on échangeait nos places, moi j'aimerais bien l'avoir pour me prévenir, ce plancher. D'accord, je prends ta place. Ça marche. Et attention aux ninjas, crétin. Méfie-toi, ils nous écoutent. Chercher les ninjas. Quelle perte de temps. Comme si on utilisait encore des micros cachés pour s'espionner à l'intérieur. Je me sens vraiment bête. Qui êtes-vous? Un type qui cherche la même chose que toi. Des micros? Eh oui, tu en as trouvé? Non. Où est-ce que tu n'as pas encore cherché? Mes téléphones. Je les ai pas regardés. Je vais le faire alors. Ça fait un micro, Fisher, il en reste 5. Je m'en occupe. Je dirais qu'il y a également quelques employés de Displace sur les lieux, Fisher. Des civils? Oui. Veillez à ce qu'il ne leur arrive rien. Bien compris. C'est dangereux d'être tout seul dans le noir. Ah, oh mon Dieu! Ne me faites pas de mal! Apprends-moi quelque chose d'utile ou je te casse les bras. Je sais pas, je viens d'être embauché, moi! Bon, j'espère que tu as une bonne mutuelle, alors. Non, attendez, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait des fournitures médicales dans la cuisine. La cuisine, hein? Merci.
Tu trouves? Ça dépend ce qu'on cherche. Si c'est des insectes, il y en a partout. Quelle saleté! Je te parle des micros, abruti! Bah, j'ai un peu cherché, mais j'en ai pas trouvé. Comment ça, un peu? T'as cherché où? Bah, sur la table, tout ça, quoi. T'as cherché des micros sur la table? Bah ouais. La vache! Et t'en as pas trouvé? Bah non. Bon, laisse tomber. Je m'en charge. Ok, préviens-moi si t'as besoin d'aide. Et voilà. Wendell, t'as pas vu Milan? Milan? Ouais, il vient tout juste de passer avec quelques gars. Ils avaient une réunion, je crois. Pourquoi? Carl vient de me dire qu'il le cherchait. Carl? Il ne devait pas plutôt chercher les micros? Si, mais tu le connais. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, si on peut modifier le planning de cette manière, oui. Oh. Non, non, je ne sais pas vraiment si c'est faisable. Oui, mais s'il le dit, c'est vrai, des Sud-Africains... D'accord. Non, non, pas de problème. Cet accord nous va. Nous pouvons vous garantir cela. Non, ne vous en faites pas. Et vous? Qu'en pensez-vous, au juste? Oui. Non, peut-être. Oui. On verra bien. Ok. Oui. De retour à New York. Bon broker. Oui. Spécialisé dans... Ok. Donc, si voilà on peut modifier le planning de cette manière... Oui. Je sais. Non. Oh, je vais essayer de trouver les autres. Si c'est faisable. Oui, mais s'il le dit. C'est vrai, des Sud-Africains. Oui. Non, non, pas de problème. Cet accord nous va. Nous pouvons vous garantir cela. Ne vous en faites pas. Bon, écoutez-moi. C'était Doug. Il arrive. Et il n'est pas content. Comment ça se fait qu'il vienne ici? Nos bureaux de New York ont été visités. Et il craint qu'il y ait une fuite. À l'entendre, il veut régler ça lui-même. Pardon. Sympa. C'est que des hyènes. Ça vaut plus rien depuis le krach boursier. Même pas la peine de la ramasser, c'est vrai. C'est toujours ça. Nos bureaux attaqués? Par qui? Les flics? On s'en tamponne de nos bureaux. Ça veut dire quoi, régler ça? Je sais pas vraiment. Cette histoire de bateau. Si quelqu'un nous soupçonne. Mais alors? Bon, c'est pas important. Le patron arrive et ça commence à chauffer. C'était inévitable, alors on s'en tient au plan et on s'assure que sa petite visite parmi nous se déroule sans anicroche. Au boulot.
Non. Oui, ok, pigé. Non. Dis-moi tout ce que tu sais, et je te laisse la vie sauve. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je m'en voudrais de restreindre tes options. Allez, mets-toi à table. Nedich, il protège ce type-là, Zerkesi, un génie de l'informatique, je crois bien. Ça, je le sais déjà. Shetland, il sera bientôt là. Non. Pourquoi? Je sais pas. Nedich et Shetland, y a qu'eux qui savent. Est-ce qu'ils sont de mèche, ou est-ce que Nedich agit seul? Aucune idée. Nedich est dingue. Oui, ok. Qui peut savoir de quoi il est capable? Oui. Non, non. D'accord. Chut, pas de scène surtout. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir pourquoi Displace International protège Zerkesi. Je ne dirai rien. Je peux aussi lire la réponse dans tes entrailles, si tu préfères. Oh, Seigneur, laissez-moi partir, je vous en prie. De toute façon, t'es cuit, Nedich. Mais je ferai en sorte que tu ne souffres pas si tu me dis ce que je veux savoir. La coupure de courant, il fallait qu'on protège Zerkesi après ça. Et le Walsh? Je suis pas au courant. Demandez plutôt à Shetland. Shetland? Oui. Il a demandé d'autres données à Zerkesi après la coupure. Mais on savait déjà tout ce qu'il nous faut. Parce que Shetland sait ce que vous trafiquez? Évidemment, c'est lui le patron. Qui a donné l'ordre d'amener Zerkesi ici, à votre avis? Où est Shetland en ce moment? Il devrait bientôt arriver. Par hélicoptère. Bien. Voilà pour Nedich. Mais il y a une complication. Un hélicoptère arrive, et Shetland est à son bord. Doug, qu'est-ce qu'il vient faire là? Soit nous nous sommes trompés, soit nous voulons voir ce que mijote Nedich. Vous pensez toujours qu'il est dans le coup? Je ne sais toujours pas. Et c'est ce que j'aime. Découvrez pourquoi il est venu rencontrer Zerkesi.
Dieu! Tout est OK. This voracious detrimore is considered by many to be simply a snail without a shell. Nothing could be further from the truth. The juggernaut-like forward motion of the North American tree slug, in the absence of his natural predators, is truly terrifying to behold. Many an entomologist, ignorant of the raw animal power of the slug, has awoken in his tent to find his rare lichen samples partially devoured in only a few short hours. Kinds of slug, all around us, everywhere. This voracious detrivore is considered by many to be simply a snail without a shell. Here we observe the North American tree slug in its natural habitat. The juggernaut-like forward motion of the North American tree slug, in the absence of its natural predators, is truly terrifying to behold. Nothing could be further from the truth. Terminé.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qui va là? Saleté, cassé! De toute façon, vaut mieux qu'il n'y ait rien. Sortez tout de suite! J'ai vu quelque chose! Qui a éteint la lumière? Il n'y a rien par là. Je suis sûr qu'il n'y a rien. Ok, tu as été formé à ça. Récupérer tous les micros, Fisher. Otomo va être content. C'est pas le genre à être content. Ah, tous les samouraïs sont comme ça. En réalité, il est charmant. Ouais, j'ai entendu des gens dire la même chose de Lambert. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai qu'il est charmant, lui aussi? Tu as déjà parlé à ses ex-femmes. Satellite indique que vous approchez d'une maison de thé, Fisher. Zerkezi est à l'intérieur. C'est ce que nous pensons. Réunissez autant d'infos que possible avant de passer à l'action. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Oui, Douglas. Quoi? Les Coréens, non. Ils n'ont pas pu. Dites-moi la vérité, Douglas. La vérité? Parce qu'Oppenheimer la connaissait, et Roosevelt alors. Eh, la vérité se contrôle. Et nous avons fait ce qu'il fallait. Ce qui veut dire? Que le concept marche. C'était moche, d'accord, mais c'est terminé. Ça veut dire qu'ils vont faire la paix? Eh bien, la paix n'arrive jamais toute seule, Ed. Il faut la faire respecter. Tout comme au bon vieux temps. Les shérifs, ils portaient une étoile, mais aussi un pistolet. Eh oui. Seigneur Dieu! Mais il ne faut pas que ce pistolet tombe en de mauvaises mains. Que... Mais qu'est-ce que... Non! Bon sang, Fisher! Ne laissez pas Shetland vous échapper! C'est une de mes cibles. Non! C'est votre cible principale! Ah!
mission. De notre côté, nous allons essayer de suivre sa trace. Bon, on sait se battre pour fumer. Laissons-la se dissiper. Il est malin comme un singe. Nous pouvons procéder à ton extraction. Très bien. Calme-toi, Melissa. Je suis trop nerveux. Gare à la fumée! Il vaut mieux qu'il n'y ait rien.